Alors, faites A avec le nez. A avec le nez. Voyons voir. Alors, j'ai le Covid ? Non, mais vous avez un malware. Bordel, je savais que j'aurais dû lui dire de mettre une capote. Bon, vous allez me donner du Pfizer ? Non, mamie. Pour ce que t'as, on recommande du NordVPN. Il y a de l'ARN dedans ? Non, mais maintenant, dans NordVPN, il y a une protection anti-menace qui s'appelle... protection anti-menace. Vous auriez pu faire un effort sur le nom, les mecs. Ah, bonjour, j'ai fait une voiture pour les gens. Et vous allez l'appeler comment ? Bah, la voiture pour les gens. Et notre slogan, ça va être... La voiture. Mais qui est l'imbécile qui a eu une idée aussi... Ah, ok. Mais revenons à nos moutons du système. Quand vous allez sur Internet, un VPN, c'est bien, mais ça protège pas de tout. Alors maintenant, NordVPN vous propose, en plus de leur service classique, un bloqueur de sites frauduleux, un antivirus, un bloqueur de cookies malveillants, et même un adblocker. On n'a pas de recul, dictature sanitaire. Mais non, voyons, NordVPN est garanti sans ARN messager. Et c'est le seul vaccin que, si t'es pas content dans les 30 jours, eh ben t'es intégralement remboursé. Oui. T'as fini de faire mumuse, Catherine? Mais ça me rappelle mon mari. Il bosse dans un centre de vaccination? Non, il est éjaculateur précoce. Comme d'habitude, bénéficiez d'une grosse réduction sur l'abonnement de 2 ans en utilisant le lien en description ou le code AstronoGeek lors de votre souscription. Et si vous voulez en plus profiter du système anti-menace qui s'appelle système anti-menace, alors là, attention parce que c'est un peu compliqué. Non, je déconne, c'est gratuit et inclus d'office dans l'application quand vous prenez votre abonnement. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, et bah vérifiez votre appli, c'était dans la dernière mise à jour. Et voilà. C'est bon, le vaccin est terminé. Ah non, ça c'est l'injection létale pour votre suicide assisté, monsieur. Mais je voulais un vaccin, moi. Ah merde, je crois que je me suis trompé de chambre. Aujourd'hui, je vais faire un hors-sujet et vous parler du mec qui, en 1978, a accidentellement mis la tête dans un accélérateur de particules en marche. Et qui a survécu. Anatoly Petrovitch Bugorski est pas vraiment ce qu'on pourrait appeler un mec chanceux. Il naît en 1943 en Russie pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'il est âgé d'un mois et demi, il est jeté par une fenêtre par des nazis. Il doit sa survie à l'épaisse couche de neige qui amortit sa chute en contrebas et au fait que quelqu'un l'y ait retrouvé plusieurs heures plus tard avant qu'il ne meure d'hypothermie. Déjà là, tu vois que le mec entre dans la vie par la grande porte. Alors qu'il est enfant, il survit à une électrocution due à la manipulation d'un câble dénudé. Mais l'accident qui fera le plus parler de lui arrivera le 13 juillet 1978. Il a alors 36 ans et prépare une thèse à l'Institut Protivinsky, aujourd'hui appelé Institut de physique des particules à haute énergie, dans la ville de Protvino, à une centaine de kilomètres au sud de Moscou. Sous cet institut se trouve le synchrotron U-70, alors le plus grand accélérateur de particules en URSS. Un accélérateur de particules ne fait rien de plus obscur que ce que son nom indique. Il accélère des particules. Pour voir comment marche un réveil matin ou un micro-ondes, il suffit de le démonter et de regarder comment il est fait. Par contre, pour voir de quoi est fait un proton, par exemple, c'est un poil plus compliqué parce qu'on n'a pas de tournevis assez petit. Et pour voir de quoi est fait un micro-ondes sans avoir de tournevis pour le démonter, une technique alternative consiste à le balancer du haut du 10e étage et à ramasser les pièces une fois que le sol en contrebas se sera occupé du démontage. En lançant le micro-ondes par la fenêtre, vous lui donnez de l'énergie cinétique. Pour le dire un peu plus simplement, l'énergie cinétique est l'énergie de vitesse. Plus la vitesse du micro-ondes est grande, plus il possède d'énergie cinétique. Et lors de l'impact, celle-ci est libérée, désintégrant l'engin. Bon, on est d'accord, c'est un poil bourrin comme méthode de démontage, mais pour les particules subatomiques, on n'a vraiment pas de tournevis adapté. Donc, on n'a pas d'autre solution que de les fracasser les unes contre les autres et de regarder ce qui en sort.
Sauf qu'une particule subatomique, c'est... solide. Disons ça comme ça. Et pour les mettre en pièces façon micro-ondes balancées par la fenêtre, il faut des quantités d'énergie faramineuses. Donc, les accélérer à des vitesses très, très élevées. Dans les faits, le synchrotron U70 accélère des protons à 1 km/h en dessous de la vitesse de la lumière. Un synchrotron dans ce genre, ou dans le genre du grand collisionneur de hadrons de Genève que vous connaissez plus probablement, c'est un circuit circulaire parcouru d'aimants supraconducteurs qui accélèrent progressivement les particules, puis les envoient les unes contre les autres. Jusque-là, rien de bien compliqué. Enfin, si, ce sont les machines les plus complexes du monde, mais disons que leur principe est simple. Apporter un maximum d'énergie à des particules et les balancer les unes contre les autres. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est cette énergie. Un accélérateur de particules n'accélère que quelques particules à la fois. Bon, quelques-unes, c'est relatif, hein. 300 000 milliards dans le cas du LHC. Mais 300 000 milliards de protons, ça pèse 1 millionième de gramme. C'est pas beaucoup. Mais disons qu'on leur file pas mal d'énergie quand même. Si on accélérait un moustique à la même vitesse, on pourrait s'en servir pour percer le plus impénétrable des blindages, puisqu'il aurait autant d'énergie qu'un TGV lancé à pleine bourre. Bref, tout ça pour dire que le faisceau de particules d'un synchrotron... ça pique. Et tout ceci nous amène donc au 13 juillet 1978. Anatoli Bugorski travaille sur le synchrotron U70 quand il détecte une malfonction sur un capteur. Mais c'est pas le seul truc qui va déconner ce jour-là. Il appelle la salle de contrôle et les informe qu'il va devoir se rendre dans la salle des capteurs. Une fois le faisceau de protons dûment accéléré, il est envoyé dans une salle contenant plusieurs appareils de mesure. Si le faisceau voyage dans le vide à l'intérieur du synchrotron, une fois envoyé dans cette salle, il voyage à l'air libre, entre la sortie de l'accélérateur et les instruments. Anatoli appelle donc la salle de contrôle et leur dit qu'il sera dans la salle des capteurs dans 5 minutes. Ils sont donc priés de couper l'arrivée du faisceau de protons. Mais il arrive à l'entrée de la salle avec un peu d'avance, et le flux de particules la traverse toujours. Normalement, quand le synchrotron est en marche, un verrou automatique bloque la porte donnant accès à la chambre des capteurs. Mais plus tôt dans la journée, avait été menée une expérience ne faisant appel qu'à un faisceau de faible énergie. Un opérateur avait donc déverrouillé la porte pour laisser un accès au capteur, mais sans réactiver la sécurité ensuite. Anatoli trouve un peu étrange qu'il lui soit si simple de passer cette porte, mais bon, il entre quand même. À ce moment-là, une autre sécurité aurait dû l'arrêter. Quand le faisceau traversait la pièce, un panneau lumineux sur le mur devait être allumé afin de prévenir toute personne présente. Mais l'ampoule venait de griller. Anatoli se retrouve donc dans une pièce traversée par un flux de particules voyageant à presque la vitesse de la lumière, sans le savoir. Et bien entendu, les protons traversent la pièce sans émettre ni lumière ni bruit, il n'y a donc aucun moyen de s'en rendre compte. Anatoli se baisse pour intervenir sur l'instrument défectueux. En se relevant, sa tête passe dans la trajectoire du flux de particules et un paquet de protons lui traverse le crâne. À ce moment-là, il n'a ressenti aucune douleur, mais dit avoir vu une lumière semblable à celle de milliers de soleils. Plusieurs milliards de protons d'une charge de 76 milliards d'électronvolts viennent de lui traverser la tête. Anatoli se rend immédiatement compte que quelque chose de grave vient de se produire, mais... ne ressentant rien de particulier sur l'instant, il décide de continuer ses réparations et de n'en parler à personne. Il consigne son passage dans la pièce, s'en va, et face à ses collègues, fait comme si de rien n'était. Sauf que c'était écrit sur son visage qu'il mentait. Je veux dire, littéralement. Dans les heures qui ont suivi, sa tête s'est mise à enfler du côté gauche, ce qui l'a forcé à révéler ce qui s'était passé à ses collègues, qui l'ont conduit d'urgence à l'hôpital. Quand le corps humain est soumis à des radiations excessives, son ADN peut être endommagé, ce qui peut conduire à l'apparition de cancer. Mais au-delà d'une certaine dose, l'ADN est tellement abîmé que les cellules meurent tout simplement. Lors d'une irradiation importante, on peut voir apparaître ce que l'on appelle le syndrome d'irradiation aiguë, qui est une mort lente et particulièrement horrible, pendant laquelle le corps se décompose pendant que ses cellules meurent les unes après les autres. La quantité de radiation absorbée par le corps humain se mesure en grès. Et disons qu'avec 10 grès, vous mourrez en une poignée de jours après que tous vos organes se soient liquéfiés.
Or, une fois à l'hôpital et une fois que les médecins aient accepté de croire son histoire, ils ont calculé la dose de radiation qu'il a encaissée et trouvent alors la valeur démente de 3000 grays. Dans le compte-rendu de son admission, il est noté que le faisceau de 3 mm est entré par l'arrière de son crâne, a traversé ses lobes occipital et temporal gauche, son oreille moyenne, et est ressorti par son nez. Ce récit, vous pouvez le trouver à plein d'endroits sur les internets, et jusqu'ici, il est vrai. Mais dans la suite de l'histoire, il est dit que les médecins s'occupant de lui ont annoncé qu'Anatoli était forcément condamné à court terme suite à une exposition à un pareil niveau de radiation, parce que personne n'avait jamais survécu à un 300ème de cette dose. En gros, il est sous-entendu qu'Anatoli Bugorski devait endurer le pire cas d'irradiation de l'histoire, mais a survécu quand même. Sauf que ceux qui ont écrit cette histoire ne savent manifestement pas comment fonctionnent les mesures d'exposition aux radiations. Quand une particule chargée arrive au contact d'un atome, elle peut éjecter l'un de ses électrons. L'atome devient alors un ion, ce qui change ses propriétés chimiques. Et en gros, si vous changez les propriétés chimiques d'un atome dans une molécule, vous changez la manière dont il se lie aux autres atomes, et donc, vous cassez cette molécule. Et si cette molécule c'est votre ADN, bah... ça risque d'être problématique. Si la particule chargée est un photon, comme dans le cas des rayons gamma ou X, plus son énergie est élevée, plus elle va faire de dégâts. Idem dans le cas d'un électron. Mais les protons ont un comportement un peu différent. À très grande vitesse, le proton va relativement peu interagir avec la matière, mais il va quand même freiner petit à petit. Et quand il aura suffisamment ralenti, c'est là qu'il va vraiment être influencé par les atomes autour de lui et libérer toute son énergie d'un coup. En fonction de sa densité, la matière possède un certain pouvoir d'arrêt sur les protons. Or, le corps humain est principalement constitué d'eau, qui a un pouvoir d'arrêt somme toute assez faible. Le faisceau de protons qui a traversé la tête d'Anatoli Bugorski était tellement rapide qu'il n'a pas eu le temps de beaucoup interagir avec ses tissus et n'a donc pas libéré la plus grande partie de son énergie à l'intérieur de son crâne. Pas la plus grande partie, hein, donc pas 3000 grés, mais beaucoup quand même. Beaucoup trop. Un tissu vivant exposé à un pareil flot de protons voyageant à la vitesse de la lumière devait effectivement forcément être détruit. Et c'est ce qui est arrivé dans le cas d'Anatoli. Mais ce faisceau de protons mesurait 3 mm d'épaisseur. Et ça traverse la matière sans faire de trou, hein, c'est pas un rayon laser façon Star Wars. Au moment où Anatoli sortait la tête du faisceau, personne n'aurait été en mesure de dire ce qui venait de se passer. Ce n'est qu'à une échelle infiniment petite qu'on aurait pu constater que les cellules de son corps situées pile sur le trajet du flux de particules allaient très vite mourir parce que leur ADN avait été détruit. Ce qui allait lui arriver dans les jours suivants et que les médecins ont anticipé, c'est que tout ce qui se trouvait dans cette fine zone rectiligne traversant sa tête allait mourir. En gros, c'est la même chose que si vous demandiez à un médecin ce qui va se passer si vous vous enfoncez une tige en métal à travers le cerveau. Il y a de grandes chances qu'ils vous disent que c'est une mauvaise idée et que vous risquez d'y rester. Voilà pourquoi les médecins à son chevet ont pronostiqué la mort certaine d'Anatoli, et pas, comme on peut le lire sur les internets, parce qu'il avait absorbé plusieurs dizaines de fois l'équivalent d'une exposition à une explosion atomique. Dire qu'Anatoli Bugorski a survécu à la plus forte dose de radiation jamais absorbée par un être humain, c'est comme dire qu'il est possible de survivre à l'impact d'un obus de char d'assaut. S'il avait pris une balle dans la tête, le passage du projectile aurait tout arraché sur son passage, emportant probablement une partie de son crâne en ressortant, et provoquant des hémorragies fatales en quelques minutes tout au plus. Mais à la place, des cellules situées dans sa tête sont mortes progressivement, sur une période de plusieurs jours, et comme les tissus alentours étaient sains, il a pu cicatriser. 3000 grés, c'est énorme quand on sait que 10 peuvent tuer un homme en une semaine. Mais quand on mesure la manière dont a été irradié un individu, on regarde combien d'énergie ces tissus ont reçu, mais on regarde surtout lesquels. Quand 10 grés tuent un homme, c'est parce que son corps entier, ou au moins ses organes vitaux, ont été exposés. Ce sont donc tous ses organes qui vont flancher les uns après les autres. Mais si seule une partie restreinte de votre corps est touchée et que tout le reste est sain et sauf, bah y a pas de raison que le reste souffre de l'irradiation. Imaginez, un obus tiré par un char d'assaut, ça perfore un train de marchandises.
Mais si vous levez le petit doigt au-dessus de votre tête, qu'on le vise avec le même obus et qu'on vous tire dessus de manière à ne toucher que votre dernière phalange, ça va faire mal, très très mal. Je vous déconseille d'ailleurs de faire cette expérience. Mais vous n'aurez pas besoin de passer plus de quelques heures aux urgences avant de rentrer chez vous avec 9 doigts. Et vous aurez survécu à l'impact d'un obus de char d'assaut. De la même manière, vous faire irradier le petit orteil à une dose de 1000 grays sans qu'aucune autre partie de votre corps ne soit touchée ne mènera à rien de plus que la perte de votre petit orteil. Anatoly Bugorski a eu une chance incroyable de survivre à une perforation pure et simple du cerveau. D'ailleurs, il a eu de la chance que ça ne lui traverse pas le cœur, par exemple, parce qu'il n'aurait pas pu survivre à une nécrose des tissus à cet endroit-là. Mais son histoire est aussi et surtout incroyable, parce que la manière dont c'est arrivé est absolument unique au monde. Mais les rescapés de blessures graves à la tête, il y en a quelques-uns. Par exemple, l'anglais Lee Charis a fait une chute de 8 mètres d'un balcon pendant des vacances en Thaïlande en 2012. Malgré une blessure très impressionnante à la tête, il a survécu. En 2014, il a bénéficié d'une chirurgie reconstructrice du crâne avec l'implantation d'une plaque de titane qui a fait qu'on a dû vachement moins le regarder de travers dans la rue après ça. Et là aussi, malgré quelques séquelles, Lee Charis mène une vie à peu près normale alors qu'il lui manque un gros bout de cerveau. En 1848, Phineas Cage, qui travaille alors à la construction d'un chemin de fer, subit un accident où une barre de fer lui transperce la tête. Il aura de grosses séquelles, dont une modification de la personnalité, mais survivra 12 ans à ses blessures avant de mourir dans une crise épileptique. Et donc, Anatoly, lui aussi, a survécu. Parce que, par chance, la zone de son cerveau qui a été touchée était suffisamment petite et suffisamment peu importante pour qu'il puisse s'en passer. Cependant, les dommages à son oreille moyenne l'ont rendu sourd de l'oreille gauche, et les nerfs qui ont été sectionnés ont paralysé la moitié de son visage. Dans les jours qui ont suivi l'accident, la peau qui se trouvait aux endroits de l'entrée et de la sortie du faisceau est tombée, laissant apparaître les nécroses à l'intérieur de sa tête. Mais le cerveau est un organe extrêmement plastique et capable de recréer des connexions qui ont été détruites. Si on exclut des crises d'épilepsie occasionnelles et une grosse fatigue arrivant après un travail intellectuel, Anatoly Bugorski n'a pas perdu ses capacités mentales. Il est quand même resté près d'un an et demi à l'hôpital numéro 6 de Moscou, spécialisé dans le traitement de l'irradiation accidentelle, puis est retourné travailler comme chercheur en physique des particules et vit toujours à Protvino. Aujourd'hui, il est à la retraite. La mésaventure d'Anatoly Bugorski est demeurée secrète pendant plus de 10 ans à cause du secret entretenu par l'URSS autour de tout ce qui tournait autour du nucléaire. Ce n'est qu'à la chute du régime que cette histoire incroyable fut rendue publique. Mais le plus triste, c'est que pour l'administration soviétique, les accidentés du nucléaire n'existaient pas. Pas jusqu'en 1986 et l'accident de Tchernobyl en tout cas, où l'État a finalement dû mettre en place des aides aux malades. Mais même là, l'accident d'Anatoly n'ayant pas de lien avec Tchernobyl, il ne reçut pas d'aide pour ses nombreux et coûteux traitements. Ce sont ses collègues de l'Institut de Protvino qui, en créant une cagnotte pour lui, lui ont permis de se soigner. Anatoly Bugorski aurait souhaité devenir un sujet d'étude pour des scientifiques occidentaux si ça lui permettait de bénéficier de la prise en charge de ses traitements. Malheureusement, il n'a pas eu les moyens de quitter son travail et Protvino. Il affirmera quand même être testé. Oui, d'après lui, ce qui est testé, c'est sa capacité à survivre quand même. Aujourd'hui encore, son cas reste absolument unique, parce que la probabilité de mettre la tête dans un accélérateur de particules en marche est déjà très faible, mais celle de survivre ensuite à une perforation du cerveau l'est encore plus. Mais que ça vous empêche pas de lever les yeux au ciel et d'être astronomique. À la revoyure.